La CID, contraction britannique de Communauté Européenne et ED Concept, a été entièrement conçue sur le vieux continent. La nouvelle compacte de Kia présente un look plus tendance que sa devancière. Si elle est uniquement disponible en 5 portes, des versions Sport Wagon et 3 portes apparaîtront d'ici la fin 2007. Il semble que Kia ait compris ses erreurs. La CID présente un intérieur soigné, en net progrès par rapport aux productions précédentes. L'équipement proposé est généreux et comprend dès l'entrée de gamme l'ABS, 6 airbags, la centralisation, l'autoradio MP3 et la climatisation manuelle. On regrette toutefois que l'ESP soit en option sur certaines versions. Dès le lancement, la Kia CID propose une offre moteur relativement vaste. 3 motorisations essence de 105 chevaux à 143 chevaux et 2 diesels de 90 chevaux à 115 chevaux. Le bloc 2 litres CRDI fera son apparition au printemps 2007. Le CRDI 115 chevaux nous a particulièrement séduits. Discret, il se montre véloce à des régimes relativement bas. Par rapport à la Cerato, la différence d'agrément est significative. Sur route, la CID a corrigé les défauts de sa devancière. Le comportement d'ensemble est relativement correct, mais reste loin des références du segment comme la Peugeot 307 ou la Renault Mégane. Caradisiaque a aimé les lignes nettement plus sympathiques que celles de la Cerato, l'excellent moteur 1,6 litre CRDI 115 chevaux et la durée de la garantie, imbattable à l'heure actuelle. Caradisiaque a moins aimé les qualités dynamiques en retrait par rapport au Peugeot, star du segment, et certains plastiques durs.